looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Raise me, I need something fast. I need something to last and give satisfaction, no. How big is your love? Tell me, how high is your patience? What can I say? I wanna catch the wave. Hey, all this fake news. Tell me, what is day? Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. En fin de semaine, c'est une petite fin de semaine parce que dû aux gros orages qu'on a eu, j'ai manqué d'électricité pendant 24 heures, donc j'ai pas pu partir vendredi. Ceux qui savent, savent. Le coin où j'habite, quand il manque d'électricité, c'est rarement en bas de 24 heures que ça plaît. Donc, au lieu de partir vendredi, ben, je suis parti samedi matin. Puis, j'avais envie de découvrir un peu les ZEC. On est quand même pas loin de chez moi, c'est à peu près 1h30 de route. Fait que c'est ça en fin de semaine, de samedi à dimanche, en fait, j'avais envie d'essayer ça, une ZEC. C'est quand même moins cher que des campings, c'est des terres publiques, mais gérées par des ZEC, donc des frais de camping, c'est sûr, mais le tiers, environ le tiers des campings traditionnels. Là, t'es vraiment en nature, c'est du camping sauvage. Y'a rien, y'a personne, t'es tout seul, c'est isolé. Fait que j'avais envie d'essayer ça. Puis, d'après moi, ça devrait être bien. De ce qu'on m'a dit au téléphone, j'ai été près d'une journée. On va voir ce que ça va donner. Puis ben, là-dessus, je vous reviens un peu plus tard avec des images, puis peut-être des choses à faire dans la vanne. J'ai emmené des petits cossins qu'il faudrait que j'installe. On va faire ça aujourd'hui. Si on peut pas se baigner, on fera ça. Fait que je vous reviens plus tard. C'est un des terrains camping mais que je peux pas aller parce qu'apparemment il est inondé, mais il n'est pas l'air si inondé que ça, fait que si l'autre spot n'est pas mieux, je pense que je vais revenir ici. Bon, finalement je suis rendu. J'ai pris le terrain qui est apparemment inondé. Parce que là, je connais pas toutes les limites de ma Dodge Grand Caravane, mais rendu où j'étais là, ça devenait un peu trop sketchy, on peut dire. Fait que finalement j'ai pris ce terrain-là. Vous voyez voir, je suis vraiment collé sur la rivière. Belle petite rivière, elle a l'air un peu haute, mais bon. Tant que ça se rend pas à ma vanne, je vais être correct. Mais il annonce la pluie cette nuit, mais ça va être correct. Comme vous voyez maintenant, ben, la vanne a changé un peu de couleur. Maintenant, il n'y a plus de secret, vous savez. Où est-ce que je travaille? C'est pas pour faire de la pub pour la compagnie, mais quand je travaille, évidemment, ben oui, ça fait de la pub pour la compagnie, mais ça va me suivre dans mes road trips. Donc, vous allez voir ça maintenant sur le Nord Environnement. C'est où est-ce que je travaille. Beau petit spot. Les mouches ont l'air voraces, sont énormes. Puis, ils te rentrent dans la tête, là, c'est fou. D'après moi, ils ont faim, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Ça, c'est la petite rivière, c'est cool. Le petit pont, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir des quads et des 4 roues qui vont passer, mais... le spot à moi pareil. Il est censé avoir une petite chute quelque part, j'ai aucune idée où. Fait que... bon, s'il fait trop chaud, peut-être aller faire un petit tour dans l'eau. La date, c'est pas si pire. Il fait pas soleil. Fait que ça va encore. Fait que, on va s'installer tranquillement. Avancer du bois, faire un feu. Dans le fond, le fil que j'ai acheté sur Amazon, c'est ça ici. Fait que j'ai le bout 12 volts pour brancher dans l'auto. Ensuite de ça, j'ai le femelle 12 volts que je viens brancher. Ça ici, je viens brancher ça là-dedans. Puis ce bout-là, ça va direct sur la batterie. Donc il n'y a plus de power supply. Puis ce qui est le fun, sur ces vannes-là, ici en arrière, j'ai une prise 12 volts. Sauf que je ne sais pas si elle fonctionne quand je l'ai achetée. Il n'y a rien de tout ça qui fonctionnait. J'ai réussi à faire fonctionner les prises USB et le 110 qu'on voit un petit peu plus bas. Le 110, le fil que vous voyez, il s'en va sur la prise arrière qui est là. Que le fil que vous voyez là, en fait, c'est le frigo. Fait que quand je roule, je branche le frigo direct sur cette prise-là. J'utilise pas ma batterie. Fait que je vais partir la vanne et voir si le 12 volts il fonctionne pour charger la batterie. Fait que je reviens à l'extérieur. Bon, on va aller voir si ça marche. On va débrancher le panneau solaire. Mon fil est ici. Est-ce que ça marche? Oh, 20 watts, 24 watts qui rentrent. OK. Ça veut dire qu'il réussit à changer avec 24 watts seulement. Mieux que rien. Fait que bon, ben c'est bon. Maintenant, il va me rester juste à passer le fil dans le plancher, partout, pour pas que je m'en fasse dedans. Je vais faire ça. On va me tenir occupé pour la journée. C'est assez tranquille ici. Il y a une coupe de quad qui passe de temps en temps, comme là présentement. On va le voir passer juste là. Okay. Espérons que ce soir ça va se calmer. Puis là en plus je peux même pas me faire de feu parce que ils vendent pas de bois. Puis de ce qu'on m'a dit c'est que je peux utiliser le bois que je trouve par terre. Ça. Il n'y a pas de bois nulle part. Nulle part. Je peux pas couper d'arbres, évidemment, c'est sûr. De toute façon, j'ai rien pour couper. Mais ouais, fait que pas de feu à soir, fait que j'imagine que je vais passer la soirée dans la vanne quand le soleil va se coucher. C'est pas grave. Bon matin tout le monde. Hier soir, ça a été une soirée plutôt tranquille. Comme je pouvais pas faire de feu, quasiment pas longtemps après le souper, je suis rentré. J'ai écouté Netflix, des séries que j'avais downloadées. Mais cette porte moustiquaire-là que j'ai mis, là, alors vous ne voyez pas, là, j'ai pu passer la soirée au complet, la porte ouverte. Puis aucun maringouin ou mouche, peu importe, est rentré. C'était vraiment bien là, quand même pour ça. C'est vraiment un must d'avoir un moustiquaire. Fait que là, le matin, c'est l'orage, c'est le déluge. C'était prévu, je savais que ça allait arriver, fait que je partais pas tard. Même que là, ça a commencé, il a commencé à avoir du tonnerre et tout. Puis, fait que je pense que j'ai serré mes affaires, fait que je suis prêt, je suis prêt à partir. Mais j'ai comme pas envie de sortir dehors puis mettre de la boîte en dedans. Fait que je vais voir si je suis encore flexible. Moi, je vois du monde dans leur Sprinter puis de leur ProMaster passer d'en avant en arrière sans problème, debout, pas de trouble. Moi, ben j'ai la grosse console au milieu. Fait que on va voir si je suis encore flexible à 45 ans, si je me ferai mal au dos ou pas. Fait que on va voir si ça fonctionne. C'est une occasion pour vous autres de rire de moi. Ça a marché. Ben là, faut que je retourne chercher le téléphone. Oh my god. Bon. On y va. Pourquoi je l'ai mis si loin que ça? Fait que là-dessus, je vous dis à la prochaine. Puis abonnez-vous. Puis on se revoit dans un prochain road trip. Father's night is over, I will guide you home.